Bonjour, chers amis, lecteurs et lectrices sur Le temps de lire, le temps du livre. Comme je vous l'annonçais à la présentation de l'émission, nous sommes à la découverte de tous les espaces qui offrent à lire et qui offrent de la lecture à Ouaga et au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte de la médiathèque municipale de Ouagadougou. C'est au centre-ville, pas loin de l'archevêché. Et ici, il y a de la lecture pour tous. Il y a une bibliothèque pour les adultes. Il y a également un espace jeunesse, enfants, où nous sommes aujourd'hui et où je vous accueille pour vous présenter le livre du jour. À la bibliothèque municipale de Ouagadougou, tout le monde peut venir lire. C'est ouvert au public du lundi au samedi de 8h à 18h, sans interruption. Et pour y accéder, ce n'est pas compliqué non plus. Les enfants paient uniquement 1 000 francs pour une année de fréquentation par abonnement. Les adultes étudiants paient 1 500 et les plus de 25 ans, et donc les fonctionnaires, les parents plus âgés, ceux qui travaillent, ils paient 2 500 l'année. Donc, c'est dans cet espace que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui de la bande dessinée. De la bande dessinée pour les personnes de tous les âges, pour vous, mes petits amis, évidemment, mais surtout pour ceux qui aiment rire, parce que c'est une collection de bandes dessinées vraiment très drôle. Il s'agit de la collection Akissi. Alors, cette collection des albums bandes dessinées d'Akissi a été écrite par Marguerite Aboué, qui est une écrivaine ivoirienne. C'est elle aussi qui a écrit Aya de Yopougou. Vous connaissez peut-être. Et donc, là, elle a écrit ce scénario aussi avec Mathieu Sapin. Il y a plusieurs albums dans la série. Et dans chaque album, il y a plusieurs aventures. Entre 5 et 7 aventures, différentes aventures qui arrivent à Akissi. Cette petite fille que vous voyez là, en train de courir. La voilà ici en classe. Et donc, Akissi vit des aventures drôles et vraiment très drôlatiques à la maison, au quartier, dans l'environnement proche, jusqu'au marché, avec ses petits camarades. Il y a Papou, il y a Edmond, etc. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est non seulement ces aventures qui vont beaucoup vous faire rire, vous allez voir, mais c'est ce qu'il y a à la fin de chaque album. Vous verrez, dans le premier tome, qui est Attaque de chat, à la fin, il y a un lexique. Donc le lexique explique un peu les mots difficiles, mais surtout ici, ça explique les mots difficiles dans le français d'Abidjan. Vous connaissez les Ivoiriens, ils ont l'habitude d'inventer régulièrement des mots nouveaux que personne ne connaît et qui après font un peu boule de neige dans tous nos pays. Et donc, le lexique permet de découvrir les mots particuliers du langage du français ivoirien qui ont été utilisés dans le livre et aussi de proposer une autre activité. Ici, par exemple, vous avez une recette de cuisine à côté du lexique. Et dans celui-là, par exemple, qui est le numéro 4, rentrée musclée, vous avez le lexique. Mais en plus du lexique, vous avez un jeu, le jeu de loi, auquel vous pouvez jouer à partir de 2 personnes jusqu'à 4 personnes. C'est vraiment intéressant. Et voilà la collection de Akissi que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous en souhaite très bonne lecture et surtout bonne rigolade. À bientôt pour découvrir un autre livre et un autre espace de lecture à Ouaga et au Burkina Faso. Quand on lit, il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages dans la lecture parce que personnellement, j'ai appris beaucoup de choses dans la lecture. Celui qui lit apprend 2 fois. Ce que j'ai appris à l'école, je l'ai encore réappris, si je peux m'exprimer ainsi, dans la lecture. Dans la lecture, j'ai enrichi mon vocabulaire, j'ai enrichi ma grammaire, ce qui a fait de moi le major de ma classe en français. Voilà.
Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on apprenne aux enfants la lecture dès le bas âge. Dès le bas âge, très tôt, qu'on cultive l'amour de la lecture au niveau des plus jeunes. Il faut supprimer la télé, parce que j'ai lu quelque part, alors quelqu'un qui disait que pendant 2 heures chez lui, pendant 2 heures au moins, on coupait tout. Pas de téléphone, pas de télé, et chacun prend un livre. Monsieur prend un livre, madame prend un livre, chaque enfant prend un livre. Ça, par exemple, c'est une belle expérience et qui puisse booster quand même un peu les choses. L'amour de la lecture. Parce que pour lire, il faut avoir de l'amour. Vous voyez, il faut avoir de l'amour. J'ai voyagé, je suis allé en France, j'ai découvert la France avant même d'aller en France, à travers la lecture. À travers la lecture, je suis allé en France étant dans mon salon. Voilà, voilà. Et avec la lecture, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, quand on dit à la télé qu'il y a eu un tremblement de terre, j'ai appris dans la lecture, à travers la lecture que le plus grand tremblement de terre au monde ne s'est jamais encore produit. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup d'immeubles, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, donc on n'en parle pas, on en parle peu. Voilà. Sinon, c'est à travers la lecture que j'ai découvert tout ça. J'ai lu entre 700 et 800 livres dans ma vie. Et si je dois compter les SAS et les Harlequins, je peux aller à 1000. Moi, je lisais tout ce qui me passait sous la main. Même les Nous Deux, je les lisais.